Ok, donc maintenant on va passer à vraiment complètement autre chose que la modélisation, les réseaux neurones. Alors désolé pour ceux qui étaient déjà présents hier, le début va être un peu identique et après je vais plus me focaliser sur la Méditerranée nord-ouest et après les quelques tests qu'on a fait en zone côtière, même si ce n'est pas encore le travail qu'on va faire pour Yomar, il sera beaucoup plus complexe. Donc là, dans les réseaux de neurones, il y a plusieurs boîtes en fait. Donc, quand on parle de réseau neurone, bon, il y a l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage machine et l'apprentissage profond, qui est particulier dans le sens où on arrive en fait à prédire des variables assez complexes à partir de variables d'entrée assez simples. Tout ça à l'aide de réseaux de neurones et des fonctions itératives qui permettent d'aller des données d'entrée aux données de sortie avec des poids qui sont donnés à chaque itération. Et qui permettent comme ça de prédire des variables qui ne sont pas mesurées ou observées directement. Donc en océanographie et notamment en biogéochimie, on utilise plutôt les réseaux de neurones artificiels, les ANN en anglais, Artificial Neural Network, qui sont des approximations de fonctions. Après, dans les réseaux de neurones et dans l'apprentissage profond, on a d'autres types de méthodes d'apprentissage. Qui sont soit utilisés pour le clustering, pour la régionalisation, pour la classification, ou d'autres pour la reconnaissance d'objets dans les images. C'est ce qu'on appelle les CNN, qui sont de plus en plus utilisés en écologie marine et que Jean-Olivier a présenté hier. Donc en océanographie et aussi à partir d'images satellites, on a pas mal de publications qui tournent autour de ces Artificial Neural Networks. Et notamment des perceptrons multicouches, une multicouche de réseaux neurones, en fait, qu'on utilise depuis les années 90. Et vous voyez les publications, c'est les proportions des publications qui ont été recensées dans un papier récent, Trebanks et al. 2023, et qui montrent la croissance des CNN pour tout ce qui est imagerie. Mais en ce qui concerne l'océanographie et les ANN, la proportion est quasi constante, on va dire, actuellement par rapport au début des années 90. Donc, comment marchent les réseaux neurones artificiels et les perceptrons multicouches? En fait, c'est des couches de réseaux neurones qu'on dimensionne en fonction de ce qu'on veut en termes de données de sortie et ce qu'on a en termes de données d'entrée. Donc, ça, c'est le schéma assez classique où on a voilà, plusieurs variables d'entrée, les inputs et les outputs, c'est des variables qu'on veut prédire. Pour ces méthodes-là, on utilise deux sous-groupes. En fait, on a notre base de données. J'en reviendrai un peu à la fin parce que c'est très, très important pour nous. C'est ce que les WP régionaux de Ryomar vont nous fournir. C'est les données qui sont harmonisées, qui sont formatées, qualifiées, corrigées. Ça va faire plaisir à Sabine, avec des flags. Et c'est ça qu'on a besoin en données d'entrée, notamment température, salinité, oxygène. Longitude, latitude et jour de l'année. Mais c'est surtout l'oxygène et la salinité qui sont des variables très très sensibles qui dérivent au cours du temps sur toutes les plateformes, sur les campagnes à main aussi. Et donc on a besoin d'avoir corrigé. Bien sûr, suivant les régions, notre équipe à Villefranche peut vous aider à faire ça. Il y a des méthodes, il y a des best practices pour corriger ces deux variables-là, quelles que soient les plateformes, donc voilà, et quels que soient les capteurs. Donc c'est important d'avoir ce jeu de données à notre disposition sur un cloud Ryomar, sur Sysmer, sur Cyanway. Mais ça sera très important à clarifier entre nous cet après-midi, suivant les régions, comment on va pouvoir partager ces données. Donc il y aura aussi un travail qu'on va faire au départ sur Ryomar, dans les différents bassins, Gascogne, Manche et Méditerranée. Ça va être data mining, en fait, ou pour l'entraînement. Donc, c'est 80% du jeu de données. On le partage en deux parties, une partie test et une partie qu'on utilise pour l'entraînement et qu'on va cross-valider. On utilise cette méthode-là pour éviter le surentraînement. Parce que si vous avez mal dimensionné vos réseaux neurones ou si vous faites du surentraînement, vous allez prédire des variables, mais ce ne sera pas correct, il y aura des trop grandes incertitudes. Et puis, dans un schéma assez classique, on garde toujours 20% de ce jeu de données pour valider à la fin notre réseau neurone. Donc, c'est les 20% qui ne sont pas du tout utilisés pour l'entraînement. Donc, pour l'entraînement, on aime bien avoir des bases de données historiques. Donc, plus on a de bases de données historiques longues, mieux c'est. Mais ça va dépendre des données historiques, des time series qu'il y a dans chaque sous-région, on va dire. Donc, il y aura
Il y aura quand même pas mal de travail à faire. Donc, le master que je vais encadrer va normalement commencer en janvier. Et ça va être un des premiers travaux qu'il va faire, le recensement des données existantes en point fixe, en campagne amère, en plateforme Lagrangienne, tout ce qui existe dans les bassins. Ça va être important. Donc, j'imagine que dans certains bassins, il y aura plus de données que l'autre. Ça va être un gros travail. Et à partir de là, on va pouvoir commencer les entraînements. Et ensuite, quand on aura les entraînements, quand on aura les réseaux neurones qui sont prêts dans les régions, là, c'est là que les WP régionaux vont devoir nous fournir les données pour faire de la prédiction, et notamment autour des carbonates. Donc, ce qu'on a fait, donc on a fait au niveau global avec un jeu de données qui s'appelle GLODAP version 2, c'est toutes les campagnes Gauchy, et notamment les données de bouteille, les données discrètes, qui sont corrigées, formatées. Donc, ça, c'est le travail de thèse de Raphaël Sauzet, qui a fait ça donc, au LOB à Villefranche et qui a utilisé un réseau de neurones pour prédire des concentrations du nutriment et des concentrations du système des carbonates. Donc, c'est le réseau qu'on a appelé Canyon. Je passerai assez vite, mais en gros, grosso modo, on l'a entraîné au niveau global et les carrés que vous voyez, les couleurs, ce sont les 20% qu'on a gardés de manière aléatoire sur différentes régions océaniques pour valider ce réseau de neurones. Et puis, on a utilisé la time series de Hoth à Hawaï, qui est la croix rouge, qui est assez connue, qui est comme 10 fois 30 ans de données, pour aussi tester ce réseau de neurones. Donc, on a fait depuis plusieurs types de familles de canyons. Donc, il y a le canyon qui était global, qui calculait les incertitudes de manière globale, c'est-à-dire en fait, quand on faisait la validation entre ces boîtes que vous avez vues, où on avait des vraies mesures en nutriments, des vraies mesures de carbonate. On comparait par rapport à ce qui était prédit, et c'est avec ça qu'on calculait une incertitude. Donc c'était bien, mais ce n'était pas une vraie incertitude sur la prédiction. Un collègue après un postdoc chez nous en bioéthique a développé un autre type de réseau de neurones basé sur une autre structure bayésienne, et il utilisait en fait les conditions locales pour calculer les incertitudes, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait autour des incertitudes de la salinité, de l'oxygène, de la température, de la pression. Ce genre de choses. Et puis, il a fait un autre canyon content qui était lui vraiment dédié uniquement à la chimie des carbonates pour rendre en fait les estimations d'incertitude beaucoup plus précises. Donc voilà, c'est ce qui a été fait au départ. Et puis, on a voulu le regarder, l'utiliser dans le cadre d'une thèse sur la Méditerranée parce qu'on s'était dit la Méditerranée, c'est la région la plus observée. On maîtrise un peu les jeux de données. Dans le GLODAP, vous voyez qu'il y a surtout des radiales du Gauchy par Méditerranée qui sont incluses, donc très très peu d'observations au final comparé au niveau global. Et donc, quand on applique le canyon global en Méditerranée, ça ne marche pas du tout. Vous voyez qu'en termes de comparaison entre le CT prédit et le CT, donc le DIC mesuré, on n'est pas trop mal, quoique il y a pas mal de trucs, mais sur les nutriments notamment, ça ne marche vraiment pas du tout. Donc, du coup, on a voulu entraîner un réseau de neurones spécifique qu'on appelait Canyon Méditerranée, Canyon Med. Et donc, on a fait tout un travail de data mining, de repêcher la donnée, d'aller fouiller dans les bases de données internationales et nationales pour récupérer, voilà, à peu près une quarantaine de campagnes amères où on avait la donnée d'entrée, la donnée de sortie mesurée directement. Et donc, ça, on l'a fait avec notamment IFREMER, avec le SISMER. Et avec Cyanway, donc on a récupéré tout ça. On a passé beaucoup de temps à tout reformater, tout reprendre les quality flags, les corrections, avec nos collègues espagnols et italiens qui nous ont beaucoup aidé à travailler là-dessus et toute la team de Gauchy en Méditerranée. Donc ça a été un travail assez fastidieux, mais voilà, ça a été fait en master et puis en première année thèse. Et avec ça, donc voilà, on a pu entraîner et on a dû inclure aussi la série temporelle d'IFAMET parce qu'on s'est aperçu que toutes les campagnes était faite majoritairement au printemps, été, automne et pas du tout en hiver. Donc, on n'arrivait pas à simuler en fait les conditions hivernales sur toute la Méditerranée et en particulier la Méditerranée nord-ouest, vous voyez même en termes de campagne la plus observée. Et donc, du coup, on a dû inclure cette série temporelle d'IFAMET, qui est la plus longue en Méditerranée, 30 ans donnée, pour prendre en compte ces conditions hivernales avec notamment la ventilation et la convection. Donc, du coup, on a fait ça et comme zone de validation, on a gardé la série Antares sous l'arc de Toulon qui avait 10 ans de série temporelle qui ont été gardées à la fin pour valider ça.
Donc, on était parti au départ d'un concept de réseau de neurones classique, et puis on s'est aperçu aussi qu'il y avait des incertitudes, que ça ne marchait pas. On était parti avec l'année, mais l'année n'était pas vraiment performante, donc on a utilisé vraiment le jour de l'année. Donc voilà, il y a eu pas mal de bidouillage là-dessus. On a changé un peu la philosophie, et ce qu'on a en fait utilisé, c'est un ensemble de réseaux de neurones. Donc en fait, c'est 10 réseaux de neurones qu'on fait tourner pour une variable en sortie. Donc c'est pas mal aussi de temps de calcul, mais ça n'a rien de comparable à ce que fait en modélisation, hein. Pour faire une sortie de ce type-là, maintenant, ça prend très vite. Pour l'apprentissage, c'est un peu plus long, c'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour l'entraînement. Mais après, pour la sortie, et là, je parle pour la Méditerranée uniquement, vraiment un petit bassin. Et puis, pour la sortie, ça prend quelques heures à quelques jours, ça dépend du type d'information que vous voulez avoir. Mais grosso modo, voilà, on a fait un ensemble de 10 réseaux neurones par variable, et c'est avec ça qu'on peut calculer l'incertitude, c'est-à-dire en fait c'est l'incertitude entre chaque standard deviation, en fait entre chaque sortie donnée en sortie. Donc ensuite on a fait les comparaisons avec notamment donc la série Diffenthal, la série Antares, et puis vous voyez en bleu ce que donne Canyon Med par rapport aux autres types de canyons global ou même le Canyon V. Et vous voyez que le bleu marche beaucoup mieux que ce qui était utilisé auparavant. Donc voilà, donc du coup, on a publié ça. Il y a les incertitudes qui sont décrites. Et vous voyez qu'en nitrate, on est très proche de ce qui est mesuré avec un capteur optique en UV. Et puis pour le reste, c'est à peu près pareil. Donc pour les carbonates, ça nous intéresse. On est forcément beaucoup, 10 fois plus fort en termes d'incertitude qu'une mesure bateau, une mesure paillasse. Ça, c'est un peu normal quand même. Mais on est quand même assez bon à ce niveau-là. Et quand on fait à partir de ça, notamment AT, pH ou CTPH, la combinaison pour recalculer le PCO2, ce qui intéresse la communauté ICOS, on est sur des incertitudes autour de 10 microatmosphères, ce qui est assez bien dans leur concept de best practice et notamment d'incertitudes en termes de changement climatique. L'idéal, c'est d'arriver à 5 microatmosphères. Pour l'instant, on n'en y est pas. Les observations fournissent entre 2 et 5 atmosphères. Nous, pour l'instant, on est encore autour de 10, mais ça peut être amélioré avec d'autres paramètres en entrée. Donc, du coup, on a appliqué ça aussi pour des séries temporelles. Là, vous voyez donc des observations haute fréquence au large à Diffemed de PCO2 et de pH. Donc là, c'était surtout ici, vous voyez, température, la salinité qui a été ajustée. Et puis l'oxygène, surtout, qui a été ajusté parce qu'à Diffemed, on a la chance d'avoir des mesures mensuelles de Winkler, d'oxygène in situ, qui nous permet de recorriger. Bon, il y a quand même des trous dans les séries, vous en doutez, parce qu'il y a des rotations, parce qu'il y a des problèmes, des fois techniques, de batterie, etc. Mais donc, on a aussi un autre capteur, donc le Carioca, qui est utilisé donc, depuis 2013 pour avoir aussi des mesures de fréquence en surface. On est ici à peu près à 3 mètres de profondeur. Et puis, voilà ce que prédit Canyon Med. En utilisant TSO2 corrigé. Donc, il a réussi donc, à quand même recalculer des variabilités qui sont assez proches de ce qu'on observe. Donc, tout ça, bien sûr, est corrigé. Je parle des données in situ. Et puis, parfois, vous voyez, une utilité, c'est de combler les trous. Donc, ce qu'on appelle en anglais le fill the gaps, qui est très, très intéressant et qui permet vraiment, voilà, lorsqu'on veut valoriser les séries temporelles, lorsqu'on a des trous et quand on veut faire des tendances. Les trous, c'est très handicapant dans les séries temporelles. Là, c'est ce que fait Argo, notamment toute la communauté Argo Global utilise beaucoup. On peut aussi l'utiliser comme base de données de référence quand on n'a pas de mesure directe de séries temporelles au large, au niveau de sens global. C'est aussi utilisé pour comparer, par exemple, un flotteur Argo en données pH, qu'est-ce qui devrait donner comparé à une prédiction de réseau de neurones. Donc ça, c'est aussi très utile dans cette logique-là. Et notamment, les data managers l'utilisent pas mal. Donc voilà, donc on voit comment on peut combler les trous. Et puis, ce qu'on peut faire aussi sur un flotteur typique VGC qu'on avait en Méditerranée qui mesurait le nitrate. Vous avez les mesures de nitrate ici mesurées par un flotteur Argo où on fait de la haute résolution entre 0 et 200 mètres. Et puis, c'est dégradé au fond pour des raisons économiques, des raisons, on va dire, énergétiques. Et puis, dans cette région méditerranée, dans la mer des Baléares, voilà, on avait aussi simulé ça à partir des données d'entrée du flotteur, température, salinité, oxygène. Vous voyez qu'on arrive bien
à reproduire la variabilité sur plusieurs années des concentrations de nutriments en fonction de la profondeur de mélange, etc. Donc ça, c'est des choses qui marchent assez bien. Puis on a publié plus récemment, il y a maintenant 2 ans, les tendances qu'on pouvait aussi estimer, prédire sur la boîte Méditerranée-Nord-Ouest qu'on a découpée en deux, Golfe du Lion, mer Ligure. Pourquoi? Parce qu'en fait, les circulations ne sont pas exactement les mêmes. Enfin, du coup, la dynamique dans Lyon, donc le carré orange, est beaucoup plus forte qu'en mer Ligure, en bleu, où on a moins de convection en hiver, parce que c'est des zones moins soumises au Mistral et à la tramontane, notamment au nord de la mer Ligure. Donc, on n'a pas exactement la même dynamique. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu séparer ça en deux. Et puis, voilà, les tendances qui sont dans un encadré orange, là, c'est un exemple dans les eaux profondes. Ce sont celles qui sont vraiment significatives. Les autres, ça, il y a quand même des incertitudes. Mais en termes de pH, et notamment de phosphate, on voit bien une diminution du pH en profondeur. Ça, c'est assez classique, malheureusement, de l'effet de l'acidification dans toute la colonne d'eau. On a pu le démontrer dans les eaux profondes. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Et en phosphate, c'est l'augmentation qu'on voit en profondeur, très très fine, mais c'est parce que les masses d'eau, en fait, sont moins en moins impactées par les convections d'eau profonde, qui se font rares, notamment depuis les années 2014. Et donc, on a tendance à revenir à des conditions avant le shift qu'on a connu en 2005-2006, à des eaux profondes, plus homogènes et, on va dire, plus stables. Donc, ce phénomène, on le voit assez bien, notamment dans les concentrations en phosphate. On le voit aussi un peu quand même en nitrate. Et donc là, c'était les conclusions par rapport au papier en disant que bon, on arrive maintenant à faire des bonnes prédictions du moment qu'on a de données d'oxygène. Donc ça a remis aussi en avant, sur le devant de la scène, l'importance de corriger des données d'oxygène dans les bases de données pour tous les utilisateurs. Qu'on arrive maintenant à bien prédire dans des régions et pas qu'au niveau global, ce type de variable de jeu chimique, que dans ce cadre-là, quand on fait des tendances, notamment, comme je vous l'ai montré, on dépend aussi malheureusement de beaucoup de flotteurs argo, et les flotteurs dérivent au gré du courant, on ne peut pas les piloter, ce n'est pas comme du glider, donc on est dépendant de la trajectoire des flotteurs, c'est pour ça que récemment, j'ai sorti plutôt un papier sur les gliders, en fait, et en surface, on arrive à bien simuler du flux air mer de CO2 avec du CANEL-MED. L'avantage avec Glider, c'est qu'on peut vraiment le faire aller entre la côte et le large. Donc, on a vraiment un bon outil pour ça. Donc, l'idée, c'est d'aller un peu plus vers le côtier. Et on a voulu tester ce que ça donnait donc, au point Summit, dans la rade de Villefranche. Donc, on a aussi, avec Jean-Pierre Rétuzo et son équipe, des mesures de pH depuis un moment. Donc, on a repris aussi, avec un master, donc toute la série temporelle, température, salinité, oxygène, qui n'était pas corrigée de manière systématique. Bon, la salinité, on n'a pas eu trop de dérives, on en a eu un peu, mais c'était assez facile à corriger. Pour l'oxygène, ça a été un peu plus fastidieux, mais on a réussi. Bon, l'avantage, comme c'est un site côtier proche du laboratoire, on a quand même la capacité de réagir quand il y a un souci au niveau des capteurs. Donc, vous voyez qu'il y a quand même très peu de trous comparé à l'autre série au large, à Diffomed. Et puis, donc, l'équipe avait aussi à sa disposition depuis les années 2007 des capteurs pH qui nous permettaient vraiment de voir la saisonnalité et l'effet dans le temps. Hein, on voit que le pH, quand même, aurait tendance à diminuer. Et ça, donc, il y a eu des thèses dessus et c'est voilà, des mesures en surface également qui intéressent la communauté autour de l'acidification. Et avec CANYONMED, là, finalement, on est assez surpris, on a réussi à quand même reproduire cette variabilité. Ce qu'on n'arrive pas encore à faire, parce que ce n'était pas fait pour au départ, c'est bien sûr les petits événements, les petits minima, sans doute des coups de vent, donc tous les extrémums. CANYONMED n'arrive pas bien à les reproduire, parce que ce n'était pas fait pour ça au départ. Et en fait, mais quand même, dans l'ensemble, on était assez content de ce que ça pouvait donner. Et même Jean-Pierre Gattuso était assez ravi et très enthousiaste par ce type de produit. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on arrivait quand même à simuler dans un premier temps à un certain niveau ce qui se passait au niveau côtier, parce que dans l'entraînement, on a pris les campagnes mousse grande échelle. Les campagnes mousse grande échelle à fond du côte large. Elles ont été faites, designées pour faire vraiment des radiales nord-sud qui vont de la côte vers le large. Et donc finalement, dans l'entraînement, CANYONMED a réussi à quand même à reconnaître et reproduire des scénarios, des processus très précis.
Donc ça, c'était pas mal. Et on a voulu aussi le tester. Donc ça, ce sont les différences voilà, qu'on a quand même décelées dans ce premier run, dans ce premier jeu. Et puis, on a voulu le tester aussi donc à Solemio, donc l'autre point B, l'autre point Somnit, pardon, à Marseille. Donc, vous voyez qu'à Marseille, ils sont moins bons élèves que nous. Michel, vous avez trop un peu dans la raquette. Ils ont des séries plus récentes aussi. Donc voilà, mais on a quand même réussi à avoir des sorties, des prédictions qui sont quand même pas trop mal. Et pourtant, on a pas du tout entraîné Ganymède au niveau petit. Donc ça, c'est un premier jeu. Donc voilà. Donc là, on se doute qu'il y a des influences qu'on n'a pas du tout pris en compte, notamment parce que on avait à l'époque récupéré très peu de données au niveau du confusion, qu'on avait sans doute l'influence du Rhône, qu'on avait aussi des effets au niveau des nutriments, etc. Bon, là, on s'est surtout focalisé sur le pH, qui était beaucoup plus facile à interpréter et à reproduire. Et que, voilà, on avait besoin vraiment d'avoir aussi de travailler plus en harmonie avec nos collègues qui font l'observation côtière, Postachev, Somnit, pour avoir des choses homogènes et surtout qualifiées à ce niveau-là. Et donc ça, c'est la conclusion pour aujourd'hui, en fait, hein, pour Yomar. Donc nécessité, donc, dans notre cas, nous, d'avoir des calculs d'incertitude locale et beaucoup plus précises et de faire vraiment un vrai calcul à ce niveau-là. C'est un peu l'idée aussi du stage et de la thèse. Et puis de prendre en compte donc les données, de repenser les données d'entrée de ce réseau neurone multicouche, hein, de ce perceptron multicouche. Alors nos collègues belges et allemands travaillent déjà aussi sur ce concept de réseau de neurones côtiers, et on a commencé à discuter voilà des variables qu'il faudrait prendre en compte. Alors vu qu'on va s'intéresser surtout à la surface pour les flux amers de CO2, il faudra prendre en compte plutôt le SST, le SSS, la couche de mélange, la chlorophylla, qui peut être aussi donnée par des images satellites, ce qui permettrait de combiner, comme je l'ai montré hier, réseau de neurones données satellites et puis la pression atmosphérique qu'on a sur certains points du globe. Donc important aussi pour nous de recenser les campagnes en mer historiques dans les différentes régions de Riomar, et besoin aussi d'avoir des données corrigées dans les travaux qui sont faits dans Riomar pour pouvoir après simuler correctement tout ce qui va sortir en termes de système de carbonate. Voilà, merci pour votre attention. Donc avant que tout le monde regarde son agenda et dise on va manger, je vous préviens, on ira manger quand même. Voilà, je vous le dis. C'est vrai. Donc là, on va laisser quelques minutes, 5 bonnes minutes de questions, et ensuite, on parlera des ateliers de cet après-midi. Vous battez pas vous. C'est gentil. Moi, j'ai une question. La première question, c'est le début de la présentation, il y a toujours les boîtes grises du milieu. En fait, moi, je ne comprends pas bien où est-ce que vous intervenez. Est-ce que votre choix, c'est juste vous allez vous permettre d'entrer et puis après. Qu'est-ce que vous faites vous-même? Je peux dire, voilà, la boîte grise, là, c'est un logiciel, c'est un truc qui est sur étagère, qu'est-ce que c'est? C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est, on a parlé avec Claude, mais sur des paramètres comme TS, matière en suspension, ce que tu as montré hier sur l'Argo, par exemple, en disant, ben voilà, j'ai une image SAT et puis j'ai une profondeur, j'en sors un bloc 3D, 4D, là. Est-ce qu'on pourrait faire ça aussi en parallèle des runs hydro 2020, par exemple? Est-ce qu'on a suffisamment de données pour faire expérimentalement pour voir ce que ça donne à la mode? Moi, je vais faire un petit peu, on ne fait rien au processus, mais on arrive quand même à représenter une structure classe D. Et est-ce que ça a déjà été fait déjà?
Voilà, les deux questions. Ah, ok, alors pour la boîte grise, en fait, qui est plus noire que grise, en fait, c'est le réseau qu'on design de réseau neurone, en fait. C'est-à-dire les nombres de neurones et les nombres de couches, c'est des choses qu'on teste pendant l'entraînement. Et quand on fait notamment le test, donc c'est les 50% du départ que je montrais, c'est ça, en fait, qu'on a en main. Donc après, les réseaux de neurones, c'est on peut mettre plusieurs couches. Donc là, nous, on avait modulé, enfin, on avait fait des prédictions jusqu'à 4-5 couches. Donc, c'est juste des nombres de neurones, en fait, que tu rajoutes. Donc, il y a des théories pour ça, il y a des outils mathématiques, il y a des toolbox, en fait, qu'on utilise sur Python pour vraiment nous aider à designer ce type de réseau de neurones. Donc, on a un peu la main dessus, mais pas complètement. Donc, c'est quand même des outils qui sont assez bien structurés dans la communauté mathématique et dans ceux qui ont développé l'approche réseau de neurones. Donc, c'est vraiment des choses qui sont faites au départ, lorsqu'on fait vraiment les tests et les premiers entraînements. Donc, on va jouer sur le nombre de couches, le nombre de neurones qu'on a besoin. Et voilà, c'est comme ça qu'on va structurer. Donc, il y a plusieurs structures. Celle-là, c'est celle qui marche le mieux actuellement, en tout cas pour ce type de variable en biogéochimie. Si ça avait été d'autres variables, peut-être que si ça en avait fait du phyto, du zoo, peut-être qu'il aurait fallu revoir la stratégie à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas vraiment des boîtes noires, j'appellerais ça plutôt des boîtes grises. Je ne suis pas mathématicien de base, je suis plutôt des biochimistes observateurs. Mais en tout cas, voilà, c'est ce genre d'outils qu'on arrive maintenant à maîtriser. Après, quand on veut faire vraiment du vrai calcul d'incertitude, la propagation d'erreurs, c'est là, je pense, qu'il faudra vraiment rentrer. Et on a commencé à discuter avec des groupes de mathématiciens. Bon, il y a le groupe Sky à l'Institut, qui est un institut en fait de Sorbonne Université, qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones. Jean-Olivier travaille beaucoup avec eux. Et on a un autre groupe à Valence, en fait, avec qui travaille Raphaël Sauzède, sur justement les outils mathématiques qui sont développés dans les réseaux de neurones. Donc, elle est beaucoup plus spécialiste, on va dire, déjà, moi là-dessus, je pourrais te répondre. Mais voilà, c'est des choses qu'on maîtrise, on va dire, en moitié. Ensuite, pour les images, satellite, oui, on peut le faire au niveau côtier. J'aimerais bien le faire. On peut refaire un produit 3D, 4D à ce niveau-là, ça va dépendre de la résolution qu'on aura. L'idée avec les modèles, c'est à un moment donné, surtout pour la prédiction de futur, utiliser ces sorties de modèles comme données d'entrée et voir après recréer des données qui ne sont pas issues d'observations in situ, mais vraiment de sorties de modèles. Donc ça, oui. Et ça a déjà été fait? Non. Non, 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 ça n'a jamais été fait. Enfin, ça a été fait en global, si. Pardon, si, ça a été fait en global, mais pas chez nous. Et pas du tout à cette échelle-là du côtier, même du régional du côtier. Donc, ça va être vraiment aussi un test. Je ne parlais pas de prédiction, je parlais justement avec un test pour avoir la comparaison avec utiliser ces outils-là comme des sortes d'interpolateurs intelligents et les comparer aux résultats de modèles pour voir si on arrive à la même chose. On peut aussi le faire. On peut aussi le faire. Du coup, toujours sur cette slide, quand tu l'as présentée, tu as dit que ça pouvait prendre plusieurs semaines. Et du coup, ça interroge un peu qu'est-ce qui prend vraiment du temps et aussi sur quoi ça tourne, sur quel type de support. Est-ce que c'est un ordinateur? C'est un ordinateur, un calculateur. Non, non, ouais. On n'a pas besoin de serveur et de moyens de calcul. Ça tourne sur un ordinateur assez puissant, mais ça peut même parfois tourner sur un portable. C'est l'entraînement qui prend plus de temps, évidemment. Et qu'est-ce qui prend du temps? C'est les différentes boucles itératives, en fait, hein, les va-et-vient, entre l'entrée et la sortie, entre les poids, entre les... C'est ça qui prend. Et forcément, maintenant, en plus, on en fait un ensemble de 10, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on faisait auparavant pour le global. Et ce qu'on a fait maintenant, donc le CanonMed, comme le Canyon, sont disponibles sur YouTube, si ça vous intéresse. Même Xavier Durimadron l'utilise tout seul. Moi-même, je l'utilise tout seul sur Python. Donc, s'il prend vraiment ce qui est complexe, c'est vraiment l'entraînement. Faire des simulations, des prédictions, une fois que le produit est prêt, c'est voilà, disponible pour toute la communauté. Donc, on l'a fait en MATLAB, maintenant, on l'a fait en Python. Python, ça marche beaucoup mieux, c'est plus rapide.
comme vous en doutez. Donc c'est pour ça que je suis content que Marine ait mis ce code à disposition sur Python. Raphaël utilise une disque de Python maintenant. Et voilà, donc du coup, c'est aussi utile pour la communauté. Et ce qu'on prévoit de faire, parce que c'est une question qui n'a pas été posée, mais comment on doit faire pour mettre à jour, en fait, on a prévu de, tous les 5 ans à peu près de mettre à jour ce type de réseau de neurones, parce que tous les 5 ans, on se dit qu'il y a beaucoup plus de campagnes en mer, que donc si on veut simuler mieux et prendre en compte les différentes anomalies, tous les 5 ans, ça demande un réentraînement, une mise à jour, une version 1, une version 2, etc. Ça signifie que vous dupliquez les bases de données ou, pour l'entraînement ou vous appuyez directement sur les centres de données? Non, on duplique parce qu'on est obligé de vraiment contrôler la qualité des données, de vraiment les formater, interpoler. Donc, il y a quand même un travail là-dessus assez conséquent. Ouais. D'autres questions? N'hésitez pas à me faire signer avant, j'ai un petit peu de trajet. Merci. Une question en lien avec cette diapo, et puis celle à la fin où tu fais de la complétion. Je me disais, quel est le niveau de complétion dans ta série d'entrées? Tu vois, parce que là tu présentes les variables d'entrée, potentiellement, oui. Il y a des trous. Oui. Tu développes ton modèle, là tu représentes le rouge sur le bleu. Oui. Mais si finalement tu complétais en amont, avec une autre méthode, c'est-à-dire finalement c'est là où je ne comprends pas trop, là tu complètes en ayant développé un modèle, mais si tu essayais de compléter avant avec une autre méthode sur les morceaux où c'est possible, ça améliorerait les choses et il y a certains trous, tu vois là par exemple juillet 14, juillet 15, à mon avis, certaines méthodes, comme on travaille sur les méthodes d'appariement élastique, à mon avis, on réussirait à combler et donc tu améliorerais capacité à compléter en aval. Exactement. En fait, les trous qu'on a ici, c'est en fait, vous voyez, c'est l'oxygène qui manque. C'est l'oxygène qui vraiment est très, très limitant. Là, on a pu combler parce qu'on avait des bonnes données d'oxygène, sinon on n'aurait pas pu. Là, on a un blanc parce qu'on n'a vraiment pas de sous mesure. Donc, si on a une méthode qui nous permet de corriger, de combler ces valeurs de salinité ou d'oxygène, on aurait une tendance en rouge qui serait complète du début à la fin. On peut faire de l'appariement élastique univarié, donc tu combles signal par signal, ouais. Et après tu fais multivarié, tu combles en tenant compte de l'allure des autres signaux. Exactement. Parce que là, il y aura un truc à jouer là-dessus. Ou par exemple des sorties de modèles de symphonie de Caroline avec les Trozanès, module oxygène, elle me sort une tendance sur l'oxygène propre et complète, pareil pour la salinité, mais là plus pour l'oxygène. Et j'arriverai aussi à simuler mieux le PCO2, par exemple, c'est un peu l'idée. Hein. Et ça, on l'a pas testé, mais ça, c'est, je pense que c'est faisable assez vite. Quoi. Okay. Et c'est une question brûlante pour terminer, et un petit peu d'hésitation. Merci de prendre parler des autres. C'est c'est juste savoir en fait dans RioMar quelle est la capacité à déployer cette technique, cette méthode sur l'ensemble des chantiers. Ça dépendra du César, pas que de moi, mais autant Méditerranée, on va commencer par la Méditerranée. Je pense que voilà, on a commencé à faire du data mining, à récupérer les données. Sur le plateau du Golfe du Lion, on a commencé à fouiller, donc je pense que c'est des travaux qui vont aller un peu plus vite, et c'est pour ça qu'on va commencer par la Méditerranée. Après, pour le Golfe de Gascogne et Manche, on va voir. C'est le premier travail, et c'est le message que je voulais faire passer cet après-midi, c'est donnez-moi les infos de ce que vous avez en termes de salinité temporelle dans ces régions que je connais moins. C'est surtout ça. Question de l'entrée. Ouais. Une dernière, et après on part à l'atelier. En fait, c'est un peu suite à cette question-là, c'est de l'expérience que vous avez sur le CO2 et les oxygènes, en termes de quantité de données, donc vous montrez que je connais, vous faites échantillonner, pour avoir une bonne réponse au niveau du jeu d'entraînement. Est-ce que vous avez une idée à peu près là? Ça doit dépendre évidemment de la quantité de données requises pour le jeu d'entraînement. Disons qu'en Méditerranée, comme c'est très dynamique, 10 ans, ce n'était pas suffisant en termes de données, de séries temporelles. C'est pour ça qu'on est allé vraiment sur 30 ans de données.
Donc ça dépend vraiment des régions. Et là, comment on va faire plutôt du côtier et qu'on va augmenter la résolution, je dirais que plus on en a, mieux c'est, quoi. Mais je ne peux pas te donner un chiffre exact. Je n'ai pas assez de recul. Merci, merci beaucoup.